Voilà, cela nous amène tout naturellement à parler de ce 39e Festival international du film de Cannes. Aussi, laisserai-je tout de suite la parole à nos envoyés spéciaux à Cannes. Bonsoir, dans la sélection officielle aujourd'hui, deux films, After House des États-Unis et Sacrificato au fret France-Suède-Grande-Bretagne. Mais permettez-moi de revenir sur la journée de dimanche hier qui, à mon avis, marquera ce 39e festival par deux événements. Tout d'abord, le film de Claude Lelouch, Un homme, une femme, 20 ans après. On y retrouve bien sûr Anouk Aimée et Jean-Luc Trintignant, mais de nouveau venu au cinéma depuis 20 ans, Richard Berry et à nouveau de la télévision, Patrick Poivre d'Arvor. L'intérêt qu'il y avait, en tous les cas, non, pour moi, ouais, c'était que je jouais un chanteur aussi, c'est-à-dire que je tourne aussi une séquence dans un clip. Je joue le rôle de Trintignant à un moment donné dans Un homme, une femme. Et je joue après aussi un truand. Un autre. Ce qui fait que ça me permettait de faire comme ça 3-4 personnages. Merci, monsieur Berry. Il m'avait demandé de jouer mon propre rôle. Il m'a dit, dans le film, tu joueras Richard Berry. Alors c'est amusant parce que je joue le rôle d'un journaliste de télévision qui présente le journal tous les soirs à 20h, vous voyez, vieux souvenir. Ouais. Et 3 ans déjà, comme c'est l'autre. Et puis, en même temps, j'ai une histoire dans le film, puisque je suis l'amant d'Anouk Aimée. Je l'aide un petit peu tout au long du film à monter un film. Elle est productrice et moi je l'aide à monter un scénario. Et donc on est un petit peu ensemble pendant tout le film. Et puis l'autre événement dont je vous parlais, c'est la projection de la dernière image de Lac d'Aramina avec Véronique Jeannot et Michel Boujonnat. C'est un film d'une intense émotion, surtout pour ceux qui ont connu l'Algérie française. L'histoire d'une jeune institutrice qui arrive en Algérie, fait un remplacement. Elle bouleverse cette société archaïque, déclenchant haine et passion. Le journal arrive, monsieur Forestier. Riton, envoyez Momo chercher les journaux. Momo ! Va chercher les journaux, va. Voilà, voilà. Ah, 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 الو لا تكلم الفاضي تكفي خمسة ولو كنت بابا دكتور بابا سكرنسا خمسة. L'émotion s'est emparée de la salle du Palais Croisette lors de la projection de Cactus, le film de l'Australien Paul Cox, présenté dans le cadre de la quinzaine des réalisateurs. Cactus, c'est avec Isabelle Huppert, c'est l'histoire d'une voyante qui devient non-voyante à la suite d'un accident et qui s'éprend d'amour pour un non-voyant de naissance, celui-là. Cactus tout de suite de Paul Cox avec Isabelle Huppert. I had to do the film because it's the type of thing that haunted me for 30 years. J'ai eu l'idée de mon film il y a de cela 2 ans au Festival de Cannes. J'étais avec Werner Herzog et j'avais dîné avec Isabelle Huppert. J'ai pensé qu'elle était tout de suite la vedette de mon film. Un film qui m'avait été donné par l'idée que j'avais eue en voyant ma mère avoir un accident et perdre la vue pendant 3 ou 4 mois. C'est ainsi donc que j'ai eu l'idée de tourner ce film. Un film qui m'a posé d'ailleurs beaucoup de problèmes avec le syndicat des acteurs en Australie, qui ne voulait absolument pas que j'engage Isabelle Huppert. Il voulait que je tourne absolument un film avec un acteur australien. Mais je suis arrivé à le faire et c'est très bien comme cela.
Parmi les critiques les plus attentives de ce 39e festival, le père Michel Di Falco de l'Office catholique, le délégué général de Chrétien Média. C'est un peu l'embarquement pour Citerre, là. Vous savez, un festival, il est le reflet de l'époque dans laquelle nous vivons. Donc, dans la sélection des films qui nous sont présentés, on retrouve le pire et le meilleur, le monde avec ses inquiétudes, ses angoisses, ses joies, ses recherches, ses questions. Mais dans le pire, il y a parfois de quoi damner un saint. Oui, d'abord, si c'est à moi que vous pensez, je ne suis pas un saint, je vous rassure tout de suite. Et vous aspirez peut-être à le devenir. Mais oui, c'est un peu le but de chaque chrétien. Mais effectivement, c'est vrai qu'il y a certains films qui peuvent heurter, choquer, et qui ne sont pas indispensables dans la production cinématographique. Mais bon, à partir du moment où on participe à un festival, je crois qu'il faut accepter de tout voir. Ce contact avec les gens de cinéma a-t-il changé à la longue, au bout de 4 ans, votre comportement? Je ne sais pas s'il a changé mon comportement, mais ce qui est certain, c'est que le cinéma est quand même un lieu qui permet de mieux comprendre l'homme, l'humain, à partir de l'ensemble des films qu'on voit. Je crois qu'à partir du moment où on comprend mieux, on l'aime mieux, et puis peut-être aussi on sait mieux lui parler de Dieu. Alors justement, en tant que critique, vous préférez comprendre ou juger ? Comprendre et juger, ben, j'ai envie de dire les deux. J'essaie de comprendre, ça n'empêche pas de juger. Le dimanche, vous officiez ici. Oui. Voyez-vous des stars venir à la messe? Je ne peux pas dire que j'en ai vu, non. J'avoue qu'en même temps, je n'observe pas dans le détail qui est dans l'assemblée, parce que c'est une église où il y a beaucoup de monde, mais je n'en ai pas remarqué. Puis, je ne suis pas à la recherche des stars spécialement. Les gens de cinéma ont-ils beaucoup de choses à se faire pardonner? Est-ce une faune à part? Je pense qu'ils n'en ont pas plus et pas moins que tout autre homme et femme. Mais vous ici, vous ne risquez pas de perdre votre âme? Eh bien, je fais d'abord confiance à ceux qui m'ont envoyé. S'ils m'ont envoyé ici, ce qu'ils pensent que je peux être présent dans ce festival. Et puis, je crois qu'il ne faut pas non plus majorer le contexte et l'ambiance du festival. Elle est bien le reflet de ce qui se vit partout ailleurs, ici et là. Et donc, je ne vois pas pourquoi plus ici qu'ailleurs, on serait en danger.